Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose une recette super facile à faire et qui va plaire aux enfants. Ce sont les boulettes de bœuf aux légumes. C'est parti! Alors, on va commencer la préparation de cette recette avec les légumes. Donc, vous allez prendre la carotte, vous l'épluchez, vous la râpez finement et vous allez faire exactement la même chose avec la courgette. Donc, moi, j'ai pris une carotte moyenne et une petite courgette, voilà, pour vous donner les proportions à peu près. Mais bon, c'est pas au gramme près. Ne vous inquiétez pas, vous prenez une carotte, une courgette et c'est bon. Ensuite, vous allez prendre vos légumes et vous allez les placer dans un torchon et vous allez presser très fortement pour faire ressortir le plus de jus possible. Donc ce jus, on ne le conserve pas, vous le jetez. Alors on continue, vous allez placer vos légumes dans un grand saladier, vous ajoutez ensuite le bœuf, on continue avec la chapelure. On ajoute le fromage râpé, donc moi j'ai mis de la mozzarella, vous pouvez ajouter du comté, ce que vous voulez, peu importe. Ensuite, on y ajoute le concentré de tomate. On continue en y ajoutant un œuf entier, du sel et du poivre. Et ensuite, on va y ajouter de la moutarde. Donc moi, j'ai pris de la moutarde forte au miel et au thym. Je vous en ai déjà parlé dans un haul, je vous laisserai un lien. Mais vous pouvez ajouter bien sûr de la moutarde classique. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger, donc avec vos mains, hein, c'est la meilleure façon, parce qu'avec la spatule, vous allez galérer. Donc voilà, vous incorporez tout ça, et ensuite, vous prenez un grand plat à gratin donc, qui va au four, et vous allez venir former des grosses boulettes, donc une boulette qui tient dans la main, vous la pressez, et vous la déposez dans le plat. Ensuite, moi, j'y ai rajouté encore une petite couche de moutarde, c'est facultatif, mais voilà, je trouve que c'est très très bon. Ensuite, vous placez au four à mi-hauteur à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Donc ça doit ressortir bien doré. Et à l'intérieur, le fromage doit être légèrement coulant. Alors, vous pouvez préparer une petite sauce tomate au basilic rapide maison. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez en acheter une toute faite. Et vous la faites réchauffer un petit peu et vous servez. Comme ça, vous nappez les boulettes de bœuf aux légumes. Et vous verrez que c'est super bon. Donc voilà, si c'est pour des enfants, bah pensez à faire des petites pommes de terre sautées ou des frites. Ils seront vraiment ravis. Et voilà, si vous avez envie d'être un peu plus raisonnable, vous mangerez de la salade. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous fera plaisir. Voilà, c'est pas compliqué, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Et en plus, il y a des petits légumes cachés pour les enfants, donc c'est parfait. En tout cas, sur les miens, ça a fonctionné. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette recette. Laissez un commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.